Hamlet ne réalise pas le vœu que lui a demandé le fantôme de son père. Hamlet laisse Finel de Danemark entre les mains d'un roi, d'un mauvais roi, et Hamlet finalement meurt de façon inepte. Donc du point de vue de la stratégie, c'est tout faux, tout raté. En fait, le problème d'Hamlet, c'est que le fantôme de son père lui a demandé quelque chose, mais qu'il ne sait jamais si ce fantôme existe ou pas. Au fond, il parle avec le fantôme, il écoute le fantôme, mais il ne fait pas ce que dit le fantôme, il discute avec sa mère de l'existence du fantôme qu'il prend pour un fou. Hamlet est certes un petit stratège, mais au fond, c'est quoi la stratégie? C'est vouloir structurer l'avenir. Mais l'avenir, comme l'a remarqué saint Augustin au livre 11 de ses Confessions, n'est qu'un anticipation. L'avenir n'existe pas. L'avenir n'est pas seul le présent. L'avenir est un fantôme. Et donc, ce dialogue avec un fantôme peut conduire à quelques impasses stratégiques. Et d'abord, l'impasse la plus courante, c'est ce que les Grecs appelaient l'hubris, la croyance en sa surpuissance. L'hubris type Napoléon qui pense que effectivement il peut aller amener une armée de 600 000 hommes à Moscou et la ramener entière et dicter sa volonté au tsar Alexandre Ier. Donc l'hubris, c'est la démesure dans sa croyance, sa capacité à faire obéir le fantôme. Cette espèce de perversion qui vous fait croire que vous êtes propriétaire de l'avenir, du fantôme. Vous savez ce qui va arriver, donc vous savez quelle est la stratégie qu'il y a. Et puis, autre effet dangereux, parler avec un fantôme. Se mettre comme Hamlet à parler avec le fantôme de son père. C'est à partir du moment où il parle avec le fantôme de son père dans sa mère, d'ailleurs, que sa mère comprend, non sans raison, qu'il est sans doute devenu. Donc, notre rapport à la stratégie est en fait un rapport avec un fantôme dont la pièce Hamlet nous permet de filer la métaphore.